الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله تغادية إلوج تغني اسماء الله تبارك وتعالى سيريك كوسو بيرمي شو إسولود الحمد لله في الغني دا سولا كاز دا انزو باري دا ان لي باري pour nous répondre à l'appel qu'il fin fait dans ce livre le Coran قال الاذان زو vendredi فاسعوا الى ذكر الله وين vers le rappel d'Allah. Vin écoute les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire khutbatul jum'ah, comme un ulama fin expliqué dans le tafsir des Abbasides. Et en islam, et ce qu'il y a iman, dans le voyage antique dans le passé, nous amènons aujourd'hui dans une région qui l'islam il arrive là-bas avant qu'il arrive dans Medina. Nous appelons les deux un voyage dans le passé, nous amènons dans le nord de l'Afrique. L'Afrique, l'Ouest, plus précisément, un événement qui est arrivé et une grande, grande leçon pour tout le monde, ce qu'il appelle humain, et tout ce qu'il appelle musulman sur eux. Une grande leçon. Et un parmi bonne science, et un parmi bonne science qui est un musulman, il est supposé apprendre cette histoire de l'islam. Connais-nous l'histoire, sinon comment dire un pied sans racine. Un pied sans racine, c'est un pied mort. Alors un musulman qui n'a pas connu l'histoire, il y a absolument comment dire un mort vivant. Alors mon frère, nous faisons les tours dans le nord-est de l'Afrique. Quand Rasulullah alayhi salatu wa salam proclame ce message, ce dawa ouvertement, nous tout connaissons très bien qui quantité de persécution, qui quantité de tito, qui quantité banna in comploté, in planifié pour faire tito à Rasulullah et ban sahaba et sa dawa qu'appelle l'islam. Parce qu'il y s'y invite vers l'adoration d'un seul créateur unique, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ban musulman, si bien, commence bien insupportable, pour vivre dans Makka. Fini la première émigration vers sa pays-là. Ensuite, fini la dixième. Quand la persécution, quand l'oppression, quand la domination fin intensifiée, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne l'ordre 80 environ, plus pas moins, moins pas plus, elle l'a fait comme ça, 80, la dame, j'ai chez madame, pour émigrer, pour aller vers le nord-est de l'Afrique, dans un pays qui s'appelle l'Abyssinie dans sa époque-là. Aujourd'hui, il connaît comme l'Éthiopie, ou soit, il connaît comme l'Érythrée, une Caspie-Andée. Tout cela s'appelle l'Abyssinie. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Abana Allaba. Et dans sa délégation-là, Patina Ban Saint-Timon. D'ailleurs, le Sahaba, ce n'est pas Ban Saint-Timon. Mais pour connaître qui qualité d'Imoun tiena dans sa délégation-là, tiena la fille de Rasulullah. Tiena le gendre de Rasulullah Othman ibn Affan, radiallahu anhum ajma'in. Et un parmi, tiena cousin de Rasulullah Jafar ibn Abi Talib. Journal dans la Bessine. Parce que Rasulullah s'y trouve dans un rêve. Allah s'y va connaître et dans les rois, Zus, qui appelle Zus, Al-Najashi. Al-Versa, les rois-là, il y a les rois qui ont la justice là-dedans. Alors, ça, c'est parmi ma première leçon.
Tout-même qui a envie de guider, tout-même qui a envie de diriger, peu importe, il y a une institution, il y a une organisation, il y a un pays, il y a un endroit, il y a une masjid, il y a une école. Alors, il y a un leader juste, il y a une justice dans lui. C'est à l'époque-là, il y a un chrétien, il y a le digne de Isa alayhi salam. Pas seulement un chrétien qui nous trouvait de nos jours-là. Il y a le digne de la vérité de Isa alayhi salam. Rasulullah, il me trouve dans rêve, un endroit, un la terre rempli avec mandatiers. Alvez à ça. Alors, je vais en Sahaba qui me sortit, 80 à monter. Je me sortis dans bateau. Je me voyage dans bateau jusqu'à ce que je n'arrive à Abdul Habasha, la terre de l'Érythrée, ou soit l'Éthiopie, ou soit la Messinie. Comment les tu connais ça à l'époque-là? Alors, quand je n'arrive là-bas, ben, frère et ben, soeur, Alhamdulillah, les rois là tiennent les rois justes. Les filles d'un autre refuge, comme on nous dit aujourd'hui l'asile politique, les filles d'un autre refuge dans son empire, dans son pays, mais les qui a fait mal, ban qui tisalou, ban qui pas mais capable, trouve ça, je vais apprendre qu'il y a un musulman, puis pratique ce din librement, librement dans sa pays-là, à ce qu'on fasse ma califère, je t'envoie une délégation. Je t'envoie une délégation vers la Bessinie. Sa délégation-là, qui composait des 10 imams, Abdullah ibn Abi Rabi'a et Amr ibn al-As, avant Yamin Iman. Je viens dans la Bessinie. La corruption, il y a qui niveau vient arriver. Je viens avec pas la main vide, pas la main balancée. Je viens avec cadeaux, plus beaucoup cadeaux, mais cadeaux bien valorisés. Alors, quand je viens, il y a un protocole pour les rois, ou pas, quand des bazars, mais dans la bazar, ça. Alors, ce que je fais, je commence à corrompre la société. Ça veut dire, que depuis maintenant, commence à corrompre la société. Je t'ai besoin, ben, ministre, c'est ça le roi là. Je t'ai besoin, c'est un évêque. Commence à braille dans un cadeau, pour montrer la tête des rois contre ce musulman là. Alors, dans un cadeau, il ne laisse convaincre tout sans exception. Tout ce bon évêque, tout ce bon ministre, convaincu, parce que quand tout ministre, tout bon évêque, tout bon, comment le dire, bon bon conseiller, mais déjà, on fait ça, fait ça, fait ça, bon, il est clean, bien sûr. Alors, je corromps ça, on dit, là. Il ne donne pas de cadeau. Il ne donne pas de cadeau. Ensuite, mon frère et ma soeur, quand je suis arrivé contre les rois, je me disais, les rois, ça va dire mon là. Je vais dire mon qui vient avec un nouveau digne. Je viens avec un nouveau kitso qui te va lancer, quoi tu connais, etc., etc., etc. Les rois disent, non. Moi, je l'idée, moi. Moi, j'ai la justice dans moi. C'est le digne qui les apprend depuis Isa et Salam, son enseignement. Il dit non, je ne suis pas capable d'écouter ça d'un seul côté. Je vais écouter des côtés. Il fait appel à Banla. Il fait appel à Banla. Jafar ibn Abi Talib, le chef de délégation des Banu musulmans, il récite à les rois là commencement des Sourah Maryam. Le commencement des Sourah Maryam. Quand les rois ne disent pas une telle ça, mon frère, bien sûr, cela me fait une coulée. Cela me fait une coulée, mon frère. Ça, c'est un leader juste. C'est un leader qui tient à la justice dans le livre en père. Alors je lui dis certainement, certainement le Allah, certainement ça, c'est plutôt fait une récité là-là. Le commencement des Sourah 19, Sourah Maryam, c'est ça avec ce qui Moussa Tivini. Moussa Tivini avait un message pareil. Il dit c'est plutôt fait une récité là-là. Et c'est qui Moussa, la Torah et l'évangile, il se déplaît une seule niche, c'est-à-dire déplaît une seule référence. Il se déplaît une seule place ça. C'est une révélation divine, ça. Alors, mon frère, il dit, allez. Il dit, allez. Il dit, allez, serment le Allah. Jamais, moi, pour retourner, ça va le musulman là, dans ma carte. Qui fait ça? S'il dit, tu penses, ce va l'évêque, ce conseil. Il dit, pense, ce conseil, ce va le ministre. Il dit, agir, mon frère, mon frère. Il dit, tu tombes dans la justice. Mais il tient les rois juste. Alors, son vie, lide avec la justice. Lide avec la justice, pour la justice dans où, l'endroit, dans le pays, dans où, la case, lide avec la justice. Il dit, allez, retournez. Ben, le musulman a vécu vraiment dans mon pays. Et nous n'avons pas accepté ça maintenant, je te viens sûr. Maintenant, la marque est tranquille. Alors, se rapporter, mon frère, ma soeur, pour Oumou Salama, il dit, l'endemain, Amr ibn al-As. Ça, c'est la première leçon qu'ils ont tirée là-dedans, ben, qui peut lire. Ben, qui permet un bateau dans ce pont, dans sa destination, alors lide avec justice. N'a pas fait l'injustice, parce que l'injustice se dégage, sur conséquences graves. Ça dédiou là, Amr ibn al-As et Abdullah ibn Abi Rabi'a, pas dans le domaine comme ça même. Pas dans le domaine, ben, l'ennemi de l'islam se complique nuit et jour. Comment pas pour Tito?
à l'islam. Ben, qu'est-ce de comploter nuit et jour, comment pour faire dit oh, ben, frère, il va le faire. Alors, je t'allais réfléchir qui les impériens. L'endemain, je te retourne, quand les rois, Négus, Al-Najashi, ensuite, ben, frère, il va le faire, je deviens rempli ses oreilles encore. Directement, je t'allais côté, je te dis, ça va là, tu connais cette cause mauvaise, l'Isa, Ibn Mariam, tu connais cette cause, parce qu'ils sont chrétiens, ils sont chrétiens. Je cause mauvais dans Isa et dans Mariam, je dis à une chose grave concernant lui. Pour faire, mon chéri, comment peut-être on n'a pas un Yahoud? Pas un Yahoud qui peut dire ça. L'ennemi, quand il y en a, pour comploter contre toi, tout grand ce qu'il y a, il est trappé. Alors je viens remplir ses oreilles. Pour faire, mon chéri, pour là, dire à un musulman, dire ça, pas dire ça, il n'est pas disposé sans danger, mais seulement pour gagner l'attention des rois. Je dis à l'Ibana, fait cause mauvaise au Isa ibn Mariam. Banna peut dire à quelque chose grave concernant Isa ibn Mariam. Alors, les rois là, ils disent, en vrai, il vraiment, vous avez dit ça, mais t'es haut? Non, il fait appel à un musulman. Il fait appel à un musulman. Rapportez pas au Moussalama, il dit, Al-Najashi, il fait appel à là. Pour qu'il y demande à là à propos Isa alayhi salam. Oumou Salama, future épouse du prophète, ça l'époque là, et épouse du prophète après, il dit à peine aucun traca, aucun souci qui n'est capable de frapper nous, comment ça traca, ça souci là, qui fait hier les rois de Mana allaient vivre librement dans mon pays, Zodi peut référer à Pelzot, Zodi peut référer à Pelzot, alors je mets tout dans place, ça va le dire là, je ne finis qu'à l'autre. Je ne finis qu'il y a plus pour rester dans sa pays là-bas, le frère. Alors, ce je finis fini. Les rois, en Légus, ils disent maintenant, qui se dit concernant Isa alayhi salam? Qui se dit concernant Isa alayhi salam? Alors, maintenant, ils disent, serment au Allah. Serment au Allah, Jafar ibn Abi Talib, lui qui est chef de délégation, il dit, nous dit concernant lui, c'est qu'il nous prophète fin bin avec ça. C'est que Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, fin bin avec ça. Et nous dire concernant lui, c'est qu'il nous prophète finit avec ça. Le serviteur d'Allah, c'est le serviteur d'Allah. Ce messager, Isa alayhi salam, c'est le serviteur d'Allah. C'est le messager d'Allah. C'est le roux Allah qui Allah qui fait souffler à travers Jibril dans ce maman Mariam la Vierge. Négis fin tape sur la main de la terre. Négis fin tape sur la main de la terre. Et il finit attrape un bout de bois depuis la terre, et il finit dire, sa parole là, va le faire mentir, c'est qui te finit dire, ça finit pas finir dépasser ça, du bois là. C'est ainsi que tu peux dire là, nous aussi nous dire ça. Nous aussi nous dire ça. Jésus, c'est le messager d'Allah. Jésus, c'est l'esclave d'Allah. Jésus, c'est le souffle qu'Allah t'y fait souffler, la vie qu'Allah t'y fait souffler dans la Vierge Marie. Alors, le frère Mansour, Al-Najashi, souvent évêque, quand il tente, il trouve réaction de Al-Najashi, je finis en colère, je finis de grogner, mais c'est lui le chef, même majorité contre lui, le frère Mansour, si qu'ils ont pété là, il a la justice là-dedans, il n'a pas accepté, il a accepté la justice. Alors, il finit en colère, pas finit en colère, le frère Mansour, comment nous dire, il n'a pas eu lieu d'un gros maître. Il n'a pas fait prendre ce compte, le frère Mansour. Ensuite, Négis finit dire à un musulman, écoutez, mon frère. Il dit à un musulman devant tout, il dit, je suis en sécurité de mon terre. Je suis en sécurité de mon terre. Un leader, mon frère, ma soeur. Qu'il y soit un papa dans la case. Qu'il y soit une maman dans l'absence de papa. Qu'il y soit dans l'endroit. Qu'il y soit au niveau d'institut, une institution éducative, peu importe. Peu importe. Si un leader, mon frère, il n'a pas fait. Il n'a pas fait provision pour la sécurité, pour pas qu'il soit sous l'autorité, alors c'est partout pour chambouler. Partout pour venir en haut. Ça, c'est leçon principale qui nous tirait depuis cet événement-là. L'église des autres en sécurité de la terre. C'est lui qui joue aux autres. C'est lui qui joue aux autres. Et pour bizarre pays, elle l'amende. Il tient la loi. C'est lui qui joue sa main musulmane-là. En d'autres mots, c'est lui qui agresse sa main musulmane-là, verbalement. C'est l'agression verbale. Chaque dimoun qui agresse un musulman verbalement, il a la main pour le payer. C'est lui qui tous aime quand il sera musulman. Qui est le roi qui peut faire avec eux? Qui est le roi qui peut faire avec eux? C'est celui qui joue sa main là, des fois il répète ça. Il a la main pour payer. Mon parti pour content qui m'a une montagne en l'eau et qui m'a audito à un qui t'aime comme les autres. Mon parti pour content fait que moi autant de richesse et moi audito à un comme ça va musulman. La personne n'a pas pour saper. Moi n'a pas pour
sans pitié vis-à-vis de celui qui a beau dit tout à sa bande musulmane là. Alors, bande frère et bande soeur, qui finit arriver ensuite. Alors, il dit, bande là, il sort depuis là-bas. Ça dit là. Ça dit des personnes qui viennent depuis Corrèze, qui sont depuis là-bas, rejeté bande frère et bande soeur, et même tous autres cadeaux, il fait retourner tous autres cadeaux. Pourtant, tu viens distribuer cadeaux à la population, à mon évêque, à mon ministre, à mon conseiller du roi. Retourne avec ce cadeau et il dit, nous faisons résider dans l'Érythrée, nous faisons résider dans la Messinie, dans Méguer de Mère. Ma musulman dit, nous faisons résider dans Méguer la case et nous faisons gagner mon meilleur voisin. Nous faisons gagner mon meilleur voisin. Qui leçon nous veut tirer là dans notre frère, ma chère? La justice dans nous. Mettre la justice dans nous, ma frère, nous payons pour prospérer. Nous l'endroit pour prospérer, nous la case pour prospérer, nous famille pour prospérer. Quand nous disons la justice dans son vrai sens, la justice dans tout ce langue, dans toute sa façon, dans poser faire la justice, dans faire faire la justice, dans dire faire la justice, dans distribuer faire la justice, dans user faire la justice, dans tout petite chose, faire la justice ou la sécurité, ma frère, ma soeur. Ça, nous laissons numéro un. Si on est ni là, ou un papa, ou elle perd des familles, ou elle responsable, mettre la justice d'en haut. Ou la case, ou l'endroit, ou le pays, pour prospérer, ma frère, ma soeur. Mais ce qui est plus important là-dedans, laissons qui nous tirer. Laissons qui nous tirer, et nous guettons pour ma frère, ma soeur. Là, c'est le commencement de l'islam. L'islam, pas encore arrivé à Madina. Pas encore au pays d'un musulman à Madina. L'islam, il arrive dans le nord-est de l'Afrique. Ça, c'est une bonne vertu de sa continent qui appelle l'Afrique. L'islam, il finit arrivé là-bas. Bonne leçon qui nous tirer en tant que man, comme on appelle nous, Manouaria. Le peuple, qui laissons nous tirer depuis là dans ma frère, ma soeur. Ça, c'était un parti. Un parti, l'exposé, le grand exposé de Jafar ibn Abi Talib. Il vient expliquer à les rois là. Non, nous ne finissons pas avec nos venangés. Nous finissons avec un message qui ressemble au message. Nous ne disons pas un mauvais concernant Isa, alayhi salam. Mais il y a un parti dans ce speech. Dans ce supposé qu'il dit faire, à ça les rois là qui concernent moi, qui concernent vous, et qui concernent nous tous, qui peut soutenir live le réseau social. Alors, mon frère, mon soeur, Jafar ibn Abi Talib, il dit dire à ça les rois là dans ce exposé, à part qu'il finit dire concernant Isa les salam, il dit, mon frère, mon soeur, il dit, jusqu'à ce qu'Allah fait envoyer un messager vers nous. Allah fait envoyer un messager, Rasulullah, vers nous, parmi nous, nous faisons pas une seule ligne familiale, il n'y a pas de monde ni apôtre. Nous connaissons qui sont une bien bonne famille. Nous connaissons qui quantité de causerait. Nous connaissons l'honnêteté et nous connaissons modestie. Les dire, Jafar ibn Abi Talib dire, les dire, mon frère, les vins invitent nous pour adorer Allah seul. Parmi ce message, quand je vais expliquer les rois de Al-Najashi, qui le message de Rasulullah, ce message principal, les invite nous vers Tawhid. Les invite nous vers l'adoration un seul, unique à la divinité. Et qui nous arrête à adorer toutes les choses qui nous et nos parents qui adorent, ban roche et ban idole. Tawhid, les vins viennent avec acquis de Tawhid, en comme une façon où on vit vivre en sécurité dans sa pays là, où on vit vivre en sécurité dans l'endroit, vite ou akida. Allah nous promet si nous akida bon, nous akida qui base le Tawhid, il garantit nous la sécurité. Allah nous a amen. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن نقبل التوحيد peu qui situation nous peut faire face, peu importe qui qualité nous peut faire subir l'injustice, va faire n'a pas commis l'injustice avec Allah ou n'a pas commis l'injustice avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors premier l'enseignement, parmi le premier l'enseignement qui Rasulullah tient informe, tient enseigne sur les sahaba, c'est tawhid. Arrête à nos idoles, arrête à nos kabar, arrête à nos dimounmo, arrête à nos passions, arrête à nos même, ou à nos ou quand on dormit les fajr ou parmi les fajr ou à nos ou oui. Quand on désobéit au maman ou papa, ou bien à nos nafs. Quand on désobéit à Allah, ou bien à nos nafs, ou bien à nos shaitan. Alors ce qu'on va faire, c'est Tawhid. Il faisait flotter là où on va faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasoula. Ani'budullah wa jtanibut tawhid. Nous venons envoyer dans chaque ummah un rasoul pour adorer Allah et pour faire couf avec Tawhid. Alors se trouver comment ils se dansent niche. Ça les voilà bien aussi qui t'obédient là. Ça même message qui Moïse vient avec ça. C'est qui t'obédient là,
ça même message dans l'évangile. Alors, si vous avez dit que ça va sur là, pas finir avec nous, il nous vaut. Parce qu'il va nous comploter, il va nous monter à la tête, il va nous dire que ça va la finir avec un nouveau dîn. Non! Il va finir avec un nouveau dîn, oh le roi. Il finit avec le tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Faman yakfur bi tawhid wa yu'min billah. C'est lui qui va couvrir avec tawhid. Et il y a un iman à Allah. فقد استمسك بالعروة الوثقى لكيفين تراب لانسفير لكيفين تراب لا إله إلا الله. Alors ça c'est le premier message, le premier enseignement dans l'exposé de Jafar ibn Abi Talib qui Rasulullah a dit. Au commencement de l'islam, non pas au commencement de l'islam, l'islam pas encore atteint Medina, pas encore venu dans Medina. L'islam dans le nord-est de l'Afrique, premier fondement de l'islam c'est tawhid. Révise ou appuie là. Ou envie à la tienne nous devant la calamité. Ou envie à la protéger nous devant la calamité. Ou envie à la protéger nous de le mal et complot de tout peu importe qui s'en avait comploté. Check nous appuie là. Check nous appuie là de toi. Tension et n'a. Tension et n'a une petite chose. Tension et n'a une site, une frère, une soeur. Ça c'est les mots. Les mots vont dire, ils font une de nous pour cause vraie. Pas cause mentie. Pas cause mentie. Quand les rois appellent eux. Je ne viens pas de traquer, je dis qui pourrait dire nous là. Hier, il dit à nous aller, je dis qu'il nous réunit. Entre eux, je dis, mais qui nous peut dire? Mais nous dire la vérité, mais nous pour pire, nous dire ce qui nous rassemble financièrement. Tu te calques, non? Non, pas comme ça, ni comme ça, non, on va le faire. C'est une cause vraie. Alors, dans ce moment-là, je dis à lui, nous rassemble, et non, c'est nous pour cause vraie. Et nous proposerons, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, yahu alladhina amanu, ittaqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Au bandina iman, priez Allah, et soyez parmi ma vérité, causerez. Vous causerez avec maman, papa, vous causerez avec vos enfants, vous causerez avec vos patrons de travail, vous causerez avec vos camarades d'Amazir, avec vos frères Moussali d'Amazir, vous causerez en général avec nos musulmans aussi. Est-ce que vous causerez? Ou soyez mentir, vous êtes champion du monde dans cause mentir. Alors, je vais vous dire, nous dînes pas enseigner pour cause mentir. Nous dînes n'a pas enseigné pour cause mentir. Rasulullah dit, si je suis content que Allah et son Rasul content eux, n'a pas cause mentir. Si je convie Allah et son Rasul content eux, alors préserve ces trois qualités-là. L'immoral dit, cause vraie. Parmi, bonne façon, pour Allah préserve vous. Nous bonnes situations, je vais vous dire. Le monde peut empirer de jour en jour. Si nous envie Allah protège nous, n'a pas cause mentir, amen. Non, oui, Allah et son Rasoul contre nous n'a pas cause menti. Alors, si nous ne comprenons pas ça, Allah dégoûte. Et son Rasoul dégoûte, c'est lui qui cause menti. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, si il est munafiq, si il est munafiq, c'est trois qualités. Quand il cause menti, n'a pas cause menti, malgré l'ancien. Et surtout dans l'époque actuelle, dans l'époque qui nous fait vivre, n'a pas cause menti. Troisième pour lui, malgré, c'est qu'il finit. Rasulullah qui en sait eux, c'est pour retourner à Mahanet, à son propriétaire. Retourne à Mahanet. Et là, nous comprenons qu'il veut dire à Mahanet. Un dépôt qui est un dirouni de moi. Garde ça côté toi. Garde ça côté toi. Il n'y a pas mon propre frère. Il n'y a pas mon propre sœur. Il n'y a pas peu importe qui s'en a. Garde ça côté toi. Car il est pour retourner, retourne. Car il est pour retourner, retourne. Le prophète a dit, salat, sans dire, rend le dépôt à celui qui vient confier toi un Mahanet. Et n'a pas trahi à celui qui vient trahir à toi. La trahison, il n'a pas fait une partie de l'islam. La trahison, le contraire de l'honnêteté malfaire, c'est pas qualité d'un musulman, c'est pas qualité d'un croyant. Soyez juste, soyez juste, soyez véridique et soyez honnête tout le temps dans la vie. Ça qui promet une nouvelle golden age, ça qui promet une nouvelle salive malfaire, malfaire, n'a pas tombé dans une pièce. N'a pas tombé dans une pièce. Donne-nous confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Retourne à Mahanet à son propriétaire et garde secret de mon frère. Parmi les petites choses qui font partie de l'honnêteté, Al-Amana, garde secret de mon frère. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à si une personne, dit à toi une parole. Et ensuite, quand il finit de dire sa parole là, il a le réalisé, il tient droite et gauche. Divan derrière, il fait comme ça, pour guetter attention, qui qu'un pétan sa cause là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un amanat. C'est un amanat. Moi qui m'en fais aujourd'hui. Moi qui m'en fais aujourd'hui. Moi, on dit, il n'y a rien de moi ça. Si moi, je ne vais pas dire personne. Pas dire personne. Il n'y a rien, un tel indien posé, je vais garder ça pour toi. Pas dire personne. Moi, je dis ça à l'autre dimon, je dis pas dire personne. L'autre dimon, je dis ça à l'autre dimon, je dis pas dire personne. Finalement, tu vas publier, les réseaux sociaux par là, tu fais une publique.
Quand Dieu dit à moi une petite chose, garde-lui pour vous. Garde-lui pour les gars ou madame. Les capables ou pas nécessaire quand ils ont madame. Et surtout madame. Ça, c'est un bible ici, ça. Ben, madame, c'est un brocante, ça, mon frère. Alors, une fois que vous verriez une position, tout ce 27 qui pas concerné, parce que nous, madame, vous allez comprendre. Surtout nous, madame, vous allez comprendre qu'il n'y a pas toute petite chose qui concerne toi. Mais le Hosni Islam, il m'a dit, tant que vous m'avez dit, si tu t'en peux causer à moi, mon maman trouvé. Il peut dire pas. Mais quand mon maman s'est arrivé, quand mon maman s'est accordé, mon désobéi à Allah, faire très attention à le faire. Je dis, ça finit de faire beaucoup de dégâts. Par le secret quand il est en public, qui a été dit au faire. Qui a été dégâts, il fait. Alors, préserve Amanat devant du monde. Préserve Amanat. Retourne Amanat à ce propriétaire. Et comme ça, il va le faire. Parmi, il va exposer, parmi, il va clore de ça exposé là. Là, nous pouvons prendre un petit de l'état avec nous. Là, nous pouvons prendre un petit de l'état avec nous. Un parmi, il virus. Un parmi l'épidémie, un parmi le cancer, un parmi la tumeur, un parmi la maladie plus grave dans nos sociétés. Et bien, dans aucun la case, quand nous assistons, nous écoutons la monde, nous écoutons doléances de mon frère, nous écoutons doléances de ma soeur, de ma famille, bien, dans aucun cellule familiale, excepté qu'il s'agit de l'épidémie là, qui nous touche. Excepté qu'il s'agit de virus là, qui nous infiltre sa famille là. Pas une, comment dire, il finit de la mort. Si pas il a ça dans sa famille là, il est abnormal. Si pas il a, pas il a sa maladie là dans sa famille là, il y a une petite chose abnormale. Si un ali va faire du normal, faut dire, comment dire, wifi dans la case. Dit comment dire, ventilateur dans la case. Dit comment dire, la bazou dans la case. Dit comment dire, un laptop dans la case. Dit comment dire, un robinet qui donne de l'eau dans la case. Sa qualité là, sa maladie là, fin, infiltrer la société, va faire passer, c'est relation familiale. J'appelle une habitude de lui dire, il fait une de nous pour une bonne relation familiale. Ne pose-moi question, qui fait ou pas cause avec ton frère, qui fait? Pose-toi question. Ton ego, ton imbécilité, ton ignorance, pour simple qui sont banal, ban frère, ban sœur, nous connaissons problème, il y a un petit monde, même ça. Problème, il y a un petit monde. Alors, il peut dire, allez, roi, le bus, en Najashi, l'Indien nous une bonne relation familiale. Donc, au commencement de l'islam, qui fait une bonne relation familiale parce qu'il y a une cassure entre famille et famille. Malgré qu'il y a une famille, comment il est délicat à faire, m'obliger à une bonne relation familiale. Oui, on n'a pas participé dans ce mal fait, dans ce mal rite, dans ce mal couillonnat, mais c'est là, relation tissante, on garde une bonne relation. Allah vient mentionner dans le Coran. Il vient prendre l'exemple, mon maman, papa, il dit wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm. Si ton maman, papa, ton maman ne va pas donner l'autre pour te faire shirk avec Allah. Pour en même temps, dans shirk, et elle dit qui te paye la connaissance concernant ça, fala te faire huma. N'a pas obéi à ton maman, papa. Wassahib huma fi dunya ma'rufa. Mais, reste bien avec ton maman, agir bien avec ton maman, papa, dans le monde. Ça, c'est maman, papa. Bazan Lola nous dit à n'importe qui ça nous a dit, n'a pas avec nous. Garde une bonne relation avec, et surtout si les musulmans. Surtout sur les musulmans qui fait tout pas cause avec ton frère. Moi, je ne dis pas certainement raison qui fait la du monde pas cause avec son frère. Qui fait la du monde pas cause avec son frère. Avec un membre de sa famille et surtout une pécose relation tissante directe là. Parce qu'il ne fait pas dans le mariage. Parce que quand moi, je suis invité dans le mariage, je suis invité et famille avec S dans la famille. Un déjeuner vous sera servi de 10h à midi ou ça dans le coin pour faire. Je suis invité tous aux familles. Les gens qui sont invités, c'est un déjeuner pour deux personnes sera servi. À cause de ça, il n'a rien à cause avec son frère. À cause de ça, il n'a rien à cause avec son frère. Parce que son papa, quand il fait la pantase, son papa, vous payez son compte quand il là. Si son papa, fait la justice, il faut rendre son compte. Ça même, tu as l'air à nous dire. C'est un démon, le juste. Il faut éliminer beaucoup de dégâts. Il faut éliminer beaucoup de dégâts dans la société, mon frère et ma soeur. Alors, à cause de son papa, il mal distribue l'héritage. Son papa, il mal distribue. Il donne barca parce qu'il barca, tu peux plus de business. Chotka, pas gagner parce qu'il est petit, tu peux nourrir toi. Prends ce qu'il donne gagner. Pour ne pas faire l'héritage. Ça, c'est un autre topic en lui-même. Alors, ça, c'est ma raison. Parmi ma raison, mon frère. Parmi ma raison. Parmi ma raison. Et il a dit, mon frère, on fait qu'apprendre ça. Mon fait apprendre ça, l'arrogance qui a cassé la chambre familiale. L'arrogance, tant qu'ils ont tué vivre ensemble, tant qu'ils vont nous envoyer un peu petit, nous tous ensemble, nous tous les mêmes, pour nous dire, frère, c'est etc. Une fois qu'ils vont nous envoyer, on va se grandir.
Une fois qu'ils sont bandivés, comment se pousser. Une fois qu'ils sont garçons, se lavent, se désenvoient, une somme. Une fois qu'ils sont enfants, comment se performer dans l'école. Pessac, Esti, Sissinité, les rap lauréats, où sont les gars lauréats. Son papa, son les ailes, comment se pousser. Son maman, son les ailes, l'arrogance, comment se pousser dans le passé. Il commence à casser l'argent avec famille. Il commence à casser l'argent avec famille parce qu'il est senti divine indépendant. Il est senti divine. Indépendant, je n'ai pas besoin de toi, Astère. Moi, je n'ai pas besoin de toi, mon garçon travaille. Mon garçon a un business. Mon garçon roule BMW, s'il vous plaît. Mon garçon roule Mercedes. Mon petit fille, elle, c'est quelqu'un dans la banque. Même si elle ramasse caca, elle dans la banque, parce qu'il y a un travail. Mon petit fille, tel poste occupé, va me faire sa qualité-là. Pour se faire l'avance, comment se casser la chambre avec famille. Mon garçon, il m'a dit. Mon petit fille, il m'a dit. Il dit, mon gars, il m'a dit. Mon gars, il m'a dit. Alors, c'est pour casser la chambre avec son sœur, avec son frère, bonne frère et bonne sœur, faites très attention. Faites très attention. Il passe, il est capable de parler un petit chose simple, mais écoutez, bonne frère et bonne sœur, Allah qui dit concernant la relation familiale. Donc, on a dit, Wattakullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Dans Surah, An-Nisa nous fait citer dans le commencement de la khutbah. Il dit, béni Allah, gagne ta quoi Allah, c'est lui qui se demandait par lui. On demande par le nom Allah, un alot, et gagne la prière pour ne pas casser relation. Allah, c'est une menace. Pas casser relation familiale. Pas casser relation familiale, je suis, je presque suis. Donc, beaucoup parmi eux dans la tête actuellement, je veux dire que moi, je fais des efforts même. Lui qui pas gagne, lui qui parle de cause à moi. Attends. Attends, mon frère, mon frère. Alors, je suis sur la salle de dire, certainement, Allah ordonne aux sujet des autres mamans, aux sujet des autres papas. Certainement, Allah ordonne aux sujet des autres proches. Frère, sœur, kala, poupou, si tout va proche, pas de frère, pas de sœur, aussi nous en donnant priorité à van qui est proche en premier. C'est-à-dire, mon frère, 10 ans, mon sœur, 10 ans, lui qui n'a plus priorité. Ça n'a rien à dire, mais il n'y a pas de priorité. Il y a un bon brian, qui s'en a ça? Sauf que vos belles-mères, sauf vos cousines, sauf vos frères, sauf vos filles. Qui ça, ça, ça? Je ne peux pas te parler, moi, sauf frère. Qui reste à côté avec lui, ou soit il reste là-haut, et moi je reste en bas, il n'a pas causé avec lui. Ce sœur qui nous a dans le même ventre avec lui, il n'a pas causé avec lui. Il dit qu'il y a la liane dans la carole, la liane, comment on peut dire. La liane dans la carole, la liane patate. Nous ne pas dire pas de relation avec une famille. Tout sœur, son belle-sœur, son belle-mère, son beau-père, son frère. Et où là? Et où là, mon rôle? Ou propre famille? L'insigne contrat avec Satan. Vous connaissez qui contrat l'insigne? Jusqu'à mon mot, on n'a pas beaucoup d'or. Jusqu'à mon mot, on n'a pas beaucoup d'or. Et je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, je Allah peut commencer, je vous ai dit, dans proche famille. Alors, ça, c'est une hiérarchie, ça va faire. Et notre priorité, ça. Mon maman, mon papa, pas capable, le dimanche, je ne sais pas si mon maman, mon papa, dans la relation. Mon frère, moi aussi, est 10 ans. Puis, la personne qui est capable de dépasser dans la relation. Ton belle-mère, son cousine, son beau-père, son neveu. Et où là? Et où là? Qui ça, ça, ça? Nous pas payons Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le commencement de l'islam. Djavad peut dire les rois à Najasi. Voilà ben l'enseignement de l'Udin. Voilà ben l'enseignement. Ça, c'est l'enseignement de l'Udin. Écoutez, mon père, mon frère. Rasulullah dit préserve tes relations avec celui qui casse les relations avec toi. Toi, préserve tes relations. Oui, nous connaissons, et la fois, on a deux biaman contre lui, quand on a dit l'ordre de biaman. Ok, mais après, il y a un message au WhatsApp, il bloque toi. Téléphone lui, toi téléphoner, il n'y a pas pour téléphone. Mais Allah peut trouver ça. Allah peut trouver. Toi, tu as une relation avec lui. Toi, quand tu as besoin de lui, fais le salam, même quand il est dit, si, tu prends un racine. Mais toi, pas casser la tête, toi. Toi, tu as une relation avec lui, pense qu'il fait. Coupe relation, Allah coupe relation avec toi et il met toi dans l'enfer. Allah c'est toi dans l'enfer, Rasulullah dit à celui qui casse la relation familiale, il n'a pas pour rentrer dans la jannat. C'est-à-dire, il n'y a pas une pensée simple ça. Il y a une pensée très grave. Il y a une pensée très grave. Tout relation qui me coupait avec ma frère. Je vous dis quand on sortit là, allez envoyer un message. Porte-lui ou excuse, mets-moi en raison. C'est-à-dire, moi, le couper devant lui, mais elle couper dans l'enfer. Elle dans l'enfer. Si on n'a pas pour redresser une relation familiale, redresser une relation familiale. Si y a tout le monde qui a la connaissance, si y a tout le monde qui a la connaissance, ou pas capable de namaz, il doit devoir faire namaz, ou pas capable de hadith, il doit devoir faire hadith. Mais c'est mort, on n'a pas compris la gravité de la relation familiale. Le diaval, peut expliquer ça les rois,
Parmi l'enseignement de tout Deloudine, c'est zone de manger la chauffe familiale. Zone de manger la chauffe familiale. Si vous voulez, Allah met barakat dans la vie. Si vous voulez, Allah met barakat dans la vie. Allah donne vous risque facilement. Allah augmente pour la vie. Allah protège vous, mon frère. Dans ce écoutez. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui dit content que Allah étend son risque, augmente son risque. Et qu'Allah donne une longue vie, qu'il dit zone de manger la chauffe 100. Depuis qu'on 10 ans, c'est tout. Et la trois qualités de relation d'ordine. 10 ans, dirait la fidélité. La fidélité n'est pas existée même pour nous. Ça, c'est une longue explication. Le Péco aussi a tout 10 ans en deuxième position, dirait. Et trois, la quatrième, le pas nous oublier de mariage. Relation mariage. Mais si elle tout 10 ans, si elle tout 10 ans, va le faire, ma soeur. Parce que quand vous mariez, mon 10 ans mélange avec 10 ans, mon madame, nous gagne 100 enfants, alors je dis, répondre, on y a rien de ça. Mais c'est moi, on n'est pas capable d'une priorité.